Amusez-vous. Amusez-moi. Hey, amusez-vous. Amusez-moi. Amusez-vous. Amusez-moi. Non mais où va le monde, je vous le demande. Allons bon, quoi encore? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu les deux jeunes tout à l'heure. T'as vu des jeunes, toi? Non, ils disaient quoi? Il y en a un qui s'exclamait « Théma, l'effet panoramique d'iPhone du pauvre !» Et l'autre lui a dit « Mais c'est pas un panneau, c'est de la 3D médiévale. » Wesh. Rien vu, rien entendu. Ah oui, ça me dit quelque chose, vaguement. Ça vous choque pas? Mais l'Académie française, on l'a fondée pourquoi? Bah pour défendre la pureté de la langue française, non? Voilà. Non mais sérieux les gars, on n'est plus en 1642. Enfin, tu confonds tout. 1642, c'est l'année où Philippe de Champagne nous a peint. Oui, si mes souvenirs sont bons, l'Académie française, on l'a fondée en 1635, 7 ans avant. Exact. Ok, ok, bon, je suis nul en date. Mais c'est quoi le rapport avec les jeunes? Mais t'es pas nul en date, t'es nul en tout, mon pauvre vieux. Tu sais ce qu'il dit, le pauvre vieux? T'es qu'un sale réac. Oh, ça y est, c'est reparti. Ah oui, réac, tout de suite les grands mots. Hein. Je suis un grand protecteur des belles lettres, moi. Et Molière s'est installé dans le théâtre que j'ai fait construire au Palais Royal. Oh. Moi je. Eh oh, allô, là, on est trois, hein. Alors tu dois dire qu'on l'a fait construire, là, parce qu'on est la même personne, monsieur le mégalo. Du calme. Enfin, c'est une catastrophe. Théma, wesh, c'est plus du français. Ça veut absolument rien dire. Bah pour toi, ça veut rien dire. Bon, écoutez, là, vous m'épuisez. Là, moi, je vais piquer un petit roupillon, là, je vous laisse. Monsieur comprend donc le langage des jeunes, peut-être. Oui, je comprends que la différence du latin qui ne se parle plus pour cause, c'est une langue morte. La langue française est une langue vivante parce que justement, elle se renouvelle en permanence. Voilà. Monsieur peut donc nous expliquer ce que dire wesh. Monsieur apprendra que l'interjection wesh, située en fin de phrase, veut dire quoi. Située en début de phrase, veut dire salut, ça va. Et Théma? Théma, c'est du verlan, tout simplement. Ça veut dire regarder, mater, quoi. Hein? Mater qui? Du verlan. C'est une forme d'argot, quoi. Non, moi, décidément, je ne peux pas, moi. Moi, je suis un amoureux des belles lettres, moi. Du théâtre, de la littérature, des grands auteurs. Un tronche de cake, wesh. Vous êtes pathétique, là. Si Molière vous entendait, il se retournerait dans sa tombe. Mais tu parles Molière, à notre époque, il ferait des one-man shows. Des quoi? Mais des spectacles où il est tout seul sur scène. Alors, en bon français, on doit dire des seuls en scène. Oh, ça y est, c'est reparti sur les Anglais. Bah non, mais c'est vrai, ça. Pourquoi toujours utiliser des mots en anglais alors qu'on a tout en France? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Anglais? Théma la gonze! Le boule de ouf! Où ça? Où ça? Pathétique. Amusez-vous. Amusez-moi. Hey, amusez-vous! Amusez-moi!